Yo, bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un souci. J'ai un souci parce que à chaque fois que je fais des vidéos, il faut que je mette de la musique. Enfin, en ce moment, c'est un petit peu ça le deal, en fait. À chaque vidéo, il y a une musique derrière, en fond. D'ailleurs, pour l'instant, vous avez remarqué que derrière, c'est le calme plat. C'est silence, tout simplement, parce que, voilà, je suis un petit peu perdu. J'aurais besoin de vous. J'ai plein de musique dans mon PC, j'en ai vraiment, enfin plein, voilà, je dois vraiment en avoir une centaine en fait, pour personnel ou alors pour des vidéos. Mais le problème c'est qu'à chaque vidéo que je fais, je suis toujours en dilemme devant cette centaine de musiques, laquelle je mets. Alors je vais vous en proposer dans cette vidéo 10, en tout cas les débuts en fait, au moins les débuts là, quelques secondes. Et bien sûr c'est des musiques libre de droit que je vous propose, sinon je les mettrai pas ici, sinon je me ferai striker par YouTube. Donc on va faire un petit top 10 des musiques un petit peu que j'aime bien, qui me plaisent à peu près pour mettre dans mes vidéos en fait. Attention, dans l'eau, il y en a une qui ne provient pas de la bibliothèque YouTube. C'est une musique que j'ai trouvée sur SoundCloud, de toute façon, il n'y a aucun problème. Je dis ça quand même au cas où, c'est aussi marqué dans le bloc des commentaires, enfin dans le bloc de la description. Je le répète aussi pour le robot YouTube qui regarde les vidéos, mais s'il vous plaît, si j'ai fait une gaffe, s'il y a du contenu avec des droits d'auteur qui apparaît dans cette vidéo, que ça soit une musique, que ça soit une marque, que ça soit n'importe quoi, ça appartient à son propriétaire. J'ai peut-être pas demandé son avis pour l'utiliser, mais en aucun cas je ferai le bâtard et je vais aller faire un remix à la con, puis le partager sur internet. Déjà des remix, je suis pas musicien, donc voilà, j'en sais rien. Je vous rappelle que j'ai dit ça pour le robot YouTube quand même. Donc voilà, je m'excuse auprès de tous ceux envers qui j'aurais violé les droits d'auteur éventuellement, ce qui peut arriver sans faire exprès. Allez, on commence. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 4. Numéro 5. Il n'y en reste plus que 5, hein, ne vous en faites pas, c'est pas... Numéro 6. Numéro 7.
1, 2, 3, 4. Numéro 9. Le petit top 10 là, que je vous ai proposé. Si vous en avez encore en tête, éventuellement, je rappelle des musiques libres de droit, s'il vous plaît. Des musiques que je suis pas emmerdé avec les droits d'auteur, surtout. Me mettez pas du Renaud, du Claude François, du Stromae, du Black M, du ce que vous voulez, parce que là, ça va saler. Hein. C'est moi qui vais être obligé de payer les droits d'auteur et ça coûte cher. Mais si vous avez des musiques libres de droit, je suis peut-être un petit peu loin, mais je m'en bats les couilles. Proposez-les moi dans les commentaires en mettant le lien. Que j'aille voir, etc, etc, voilà. Bien sûr, c'est une liste, comme on dit, non exhaustive. J'en ai encore plein, et d'autres, d'un autre genre, etc, etc. La numéro 5, c'était la musique qui provenait pas de la bibliothèque de YouTube. C'était la musique de SoundCloud, que j'ai trouvé sur SoundCloud. Un remix d'un générique d'une émission américaine, la version américaine du Juste Prix, voilà. Donc si vous kiffez d'ailleurs, vous pouvez aller voir le lien dans la description et puis y aller et mettre un like. Je pense que ça fera très plaisir aux gars. Et puis après, si j'arrive plus à parler, je veux dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter avec vos musiques favorites. Et en attendant, je vous laisse. Je vais bouffer parce qu'il est midi 37 et j'ai pas encore bouffé. 31 non? Non, 37 c'est ça. Adjuvat et au revoir. Moi je n'ai rien. Je crois que ça t'a fait plus.